Moi, c'est Alex. J'habite à Lille, mais je suis toujours en vadrouille. Le voyage m'anime. J'aime partir en quête de renouveau, de choses différentes pour découvrir ou redécouvrir, partager et surtout apprendre et me surprendre. Je me sens bien quand je sors de ma zone de confort, quand je vois ou fais des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Je sais aussi que mes déplacements, surtout en avion, explosent mon bilan carbone. J'ai envie de faire des efforts là-dessus et aller de plus en plus vers le slow travel. Alors, je pars en quête d'aventure, proche ou lointaine, et je t'emmène avec moi. On se retrouve encore une fois à l'île Maurice cette année pour fêter Noël, Nouvel An et faire plein de nouvelles activités que vous n'avez pas vues l'année dernière. D'ailleurs, si vous voulez aller checker ma vidéo du vlog de Maurice de l'année dernière, je vous laisse cliquer juste ici. Sans trop vous en dire, le programme cette année, c'est pas mal de rando, des sorties bateau et des activités insolites qu'on n'a jamais fait ici. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Je vais vous emmener avec moi sur ces différentes activités. Je vais vous expliquer comment on les a fait, avec qui on les a fait et combien ça coûte. Donc je vous laisse rester jusqu'à la fin de cette vidéo et puis je vous emmène avec moi. C'est parti! Aujourd'hui, on va faire une des activités incontournables à l'île Maurice, selon moi, c'est une excursion en bateau. Comme on habite dans le nord, d'habitude, on va voir le Coin de Mire et l'île Plate. Mais là, cette année, on a décidé de changer. On va se diriger vers l'est pour aller voir l'un des plus beaux lagons de l'île. Là, il est à peu près 8h30. On va bientôt partir parce qu'on a une heure de route et on a rendez-vous à 10h à Trou d'Eau Douce pour un départ de l'excursion. Je vais vous emmener avec moi et puis je vais vous montrer tout ça. Déjà deux stops avant de prendre la pause déjeuner. Du coup, on a été voir la grande rivière sud. C'est une des plus grandes rivières de l'île Maurice qui se jette du coup dans l'océan Indien. Et en fait, au bout, il y a une cascade que tu peux voir. Et avant d'aller à la cascade, il y a plein de macaques, c'est les singes là-bas, que tu peux observer et qui en fait se promènent d'arbre en arbre. Donc c'était intéressant de voir ça. Après, c'est quand même un endroit hyper touristique. On est à l'île aux Cerfs. L'île aux Cerfs, c'est un des spots les plus incontournables de l'île Maurice. En termes de décor paradisiaque, de luxe, on est vraiment au summum. C'est un des trucs à faire à l'île Maurice. Par contre, c'est vrai que depuis quelques années, ça a vraiment explosé en termes de tourisme. En fait, tu arrives à Trou d'Eau Douce, du coup la ville où il y a toutes les embarcations, t'as tous les mecs qui t'alpaguent, qui te disent ouais, excursion, île aux Cerfs, etc. Là, déjà, tu te sens un peu, tu sais, surstimulé, limite oppressé parfois, parce que t'es obligé de dire au mec, bah non, en fait, j'ai déjà prévu un truc. Savoir aussi que sur l'île aux Cerfs, il y a un golf, qui est d'ailleurs juste derrière moi, qui appartient à l'hôtel de Shangri-La. C'est un hôtel genre 5 étoiles, c'est un des plus beaux hôtels de l'île. Je te dis que t'es au bout du monde sur une île paradisiaque, mais quand même, il y a un peu ce côté tourisme, de luxe, qui est là pas très loin et qui se fait ressentir. L'île aux Cerfs, c'est une île qui fait partie des 49 îles et îlots inhabités autour de l'île Maurice, qui sont accessibles via les bateaux et les excursions. Ah oui, et du coup, pour la petite anecdote, pourquoi île aux Cerfs? Et bah c'est vraiment littéralement parce qu'il y avait des cerfs en fait il y a plusieurs années et les locaux ils chassaient les cerfs sur cette île, maintenant ils ont disparu. On va demander à Inès ce qu'elle en pense de cette expédition. Je trouve que c'est super bien, on a trop bien mangé, c'était incroyable. Je vous recommande les claquilles au sucre. En gros ici, ils font des saucisses caramélisées, mais ils mettent du sucre dessus. Du coup en fait c'est des saucisses au sucre. Là ça va, nous on était dans un coin tranquille, sans trop de touristes. Ils sont là, t'as le barbecue, il y a saucisses, poulet, poisson, pain à l'ail. Ah là clairement, je suis enceinte, c'est pour ça qu'on voit pas mon ventre. Je vais accoucher dans deux semaines. Exactement. Et il y a le petit café mauricien pour ceux qui savent ce que c'est, histoire de bien digérer. Voilà. Donc le voilà. Café mauricien. Là, je pense qu'on va chiller. On va peut-être refaire un peu de bateau après. Puis je vous reprends tout à l'heure. Bisous.
Petit bilan de la journée à l'île aux Cerfs. Marion, t'as bien aimé? J'ai fait sa stagiaire. J'étais une bonne stagiaire. Oui, t'étais une très bonne stagiaire. Bah, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aimez la vidéo. C'est en partie grâce à Marion. En vrai, c'était trop bien. Du coup, mon père, il avait gardé le contact d'un mec qu'il avait croisé en avril, Jonathan. Et c'était cool parce qu'on a été du côté de l'île aux Cerfs où il y avait moins de touristes. Parce que l'autre côté où il y a l'arrivée avec les gens qui viennent de l'hôtel, etc., c'est clairement blindé. Donc là, on était un peu isolés et donc c'était très très bien. On a très bien mangé. Bon, ça manquait un peu de poisson. Vous avez bien aimé, Patoche? Non, c'était impeccable. Et en plus, Jonathan, franchement, hyper nature, vraiment simple, très sympa. On mettra les coordonnées dans le lien juste en dessous là. Ok, très bien, merci Patoche. À dans deux jours. Bye. Hello la Mif, avant de vous emmener avec moi pour l'activité numéro 2 de ce séjour à l'île Maurice, on va faire une petite minute culturelle pour que vous puissiez en apprendre plus sur cette île que peut-être vous ne connaissez pas. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que sur un point géographique, l'île Maurice se situe dans l'océan Indien, sur le continent africain, et là, on est à environ 9400 km de Paris, donc c'est quand même très loin, il faut 12 heures de vol pour venir jusqu'ici. Savoir que l'île Maurice, c'est une île d'origine volcanique. Vous pouvez d'ailleurs visiter ce qu'on appelle le trou aux Cerfs, le trou de l'ancien volcan qui est accessible pour les visites aux touristes. C'est une toute petite île, elle fait 65 km de long et 45 km de large. L'île Maurice compte environ 1,2 million d'habitants et il faut savoir qu'il y a le même nombre de touristes par an qui vient visiter cette île. Et dans ces 1,2 million de touristes, les deux tiers, à peu près 600 000, sont des Français. On dit de l'île Maurice qu'elle est très multiculturelle. Il y a une diversité de langages, d'ethnies, de religions. Les Mauriciens le disent, il y a un vivre ensemble hyper agréable qu'on ressent dans cette île, même si les différentes ethnies ne se mélangent pas forcément. Après, ça a tendance à s'améliorer. Tout le monde vit dans le respect de son voisin et c'est vraiment très agréable de voir des endroits comme ça. Mais si vous venez ici, le voir par l'architecture, donc les différents lieux de culte, par la gastronomie aussi. D'ailleurs, si vous avez envie de voir un peu ce qu'on mange à Maurice, restez sur cette vidéo parce qu'on va faire une activité culinaire, je vous en dis pas plus. Alors, au niveau de la répartition ethnique, on est à peu près sur 68% d'Indo-Mauriciens, principalement de religion hindoue, musulmane ou chrétienne. Ensuite, il y a les créoles à 27%, majoritairement de religion chrétienne. Ensuite, il y a les sino-mauriciens à 2%, eux, ils sont principalement d'origine chrétienne ou bouddhiste. Et pour finir, il y a les franco-mauriciens, un petit 2%, qui eux sont principalement de religion chrétienne. Et je vous parlerai un peu plus tard dans cette vidéo un peu de l'histoire de l'île Maurice pour que vous compreniez pourquoi et comment on a une diversité culturelle sur cette île très riche. Maintenant que la minute culturelle est passée, je vais vous emmener avec moi pour l'activité du jour. On va rejoindre les filles de Local Adventure avec qui on avait fait la rando des 7 cascades l'année dernière. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir parce que c'était vraiment qualitatif. C'est une activité sportive, nature, je vous en dis pas plus et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti! Bon la Mif, comme vous pouvez le deviner, on est en train de faire une randonnée. Juste avant de venir, on était chez les parents de Christelle, mon amie mauricienne. Christelle, je sais que tu vas regarder cette vidéo, franchement tes parents, trop trop sympas. Ça fait trop plaisir de les avoir rencontrés. On est avec les garçons, Freddy et Andy. On devrait avoir un petit temps de rando pour arriver juste à temps pour admirer le super coucher du soleil en haut. Dis, tu peux expliquer ce qu'on fait aujourd'hui? Et comment elle s'appelle la montagne? Ça s'appelle les Trois Mamelles. Et pourquoi on appelle ça les Trois Mamelles? Parce que tu en as une, deux, trois. Trois mamelles. Et on a combien de temps pour arriver en haut? Ça va dépendre de toi. Ah, moi je suis d'habitude, motivée. D'habitude les gens prennent 2 heures. Allez, on va dire 1h30 pour toi. Ok. Allez, c'est parti. T'es prête Véro? Nickel. Nickel. Premier stop après à peu près je crois 40 minutes de marche et il se met à pleuvoir, c'est génial. Du coup là tout au loin vous pouvez apercevoir l'île au bénitier, le Morne, la baie de Tamara. Et pour ceux qui veulent, il a dit qu'on pourrait aller faire les crêtes, enfin entre les crêtes. Sur le site ils disent ouais une heure de montée, donc c'est à peu près ça, et que c'est accessible à tous et qu'elle est modérée. Franchement elle est quand même assez dure.
sachant qu'il y a des moments d'escalade et là on est dans le jour et on va redescendre dans le noir à la frontale. Je trouve qu'il faut quand même une bonne condition physique. C'est pas une rando familiale quoi, il faut être quand même assez préparé, mais c'est trop beau. Je ne recommande pas. Non, je recommence. Bon, la mif, vous m'excuserez la gueule que j'ai. Ça y est, on vient d'arriver tout en haut. C'est incroyable. On est vraiment haut. C'est à peu près à 629 mètres, je crois. On a fait la crête. Franchement, c'était hyper impressionnant. J'ai pas les stats, mais je pense que ça va faire 4 km aller-retour. Et le dénivelé, enfin, de toute façon, je vous mettrai tout à l'écran. Et maintenant, on va demander à la queen. Maman, est-ce que c'est toi qui a... C'est pas moi, c'est mon clone. C'est ton clone? Ouais. Est-ce que c'était dur? Je suis toujours en bas, moi. Je pensais que ça allait être difficile, mais en fait, t'es tout le temps sur les mains, quand même. Ouais. Mais c'est une vue de ouf. C'est dommage, j'ai fait un peu gris, mais... Ouais, il y a un peu de nuages, on a eu un peu de pluie, mais au final, en vrai, ça en vaut la peine de fou. Après, là, la descente à la frontale, ça va être la même chose, je pense. Je vous dis à la prochaine. Bonjour la MIF, bienvenue pour l'activité numéro 3 à l'île Maurice. Et ce matin, on se dirige vers le domaine des Aubineaux à Curepipe pour faire une petite activité culinaire. Maman, est-ce qu'en deux mots, sans trop en dire, tu peux un peu teaser ce qu'on va faire ou pas? Découverte culinaire. T'es motivée derrière? Ouais. Du coup, on vient d'arriver au domaine des Aubineaux. On a été trop bien accueillis. On a pris le petit-déj avec une petite crêpe au sirop de canne à sucre. C'était excellent. Et là, on va aller avec le chef Milap au marché faire les courses pour préparer le repas de ce midi. Il y a le poulet et on va couper le. Enfin, on va nettoyer le poulet, on retire tous les grains, on coupe en petits morceaux. On va faire mariner avec le sel, le poivre, le cumin, le curcuma et le poudre de curry. Et puis un peu de l'huile. Et comme dans une chair, on a des oignons, du coriandre, du thym, gingembre, l'ail, feuilles de curry poulet et pommes d'amour. Ok. On va faire revenir tout à la poêle. Ok, trop bien. Et c'est servi avec du riz? Oui, okay. On sert avec du riz et un grain sec. Ok. Comme comme un lentille noire. Ah, bien. Des sachets de pommes d'amour. Ok. Ah, il y a des lentilles avec. Ouais. Oui, et on va faire des sachets de pommes d'amour aussi. Bon, la MIF, comme vous l'avez vu, on a cuisiné un curry poulet avec le chef Milap. Franchement, c'était trop cool comme matinée. C'était trop bon et on a appris plein de trucs. Est-ce que tu vas refaire chez toi? Oui, je vais mettre des photos. Oh, tellement bon. Une note sur 10 sur ce repas? 10. 20 sur 10, c'était incroyable. Wow. Je vais acheter du coup tous les épices. Ouais. Donc curcuma, massalé mais grillé. Ouais. C'est ça? Ouais. Cumin, faire ça à la maison. Oui. Trop bien. Voilà. Et je remercie le chef Milap de nous avoir fait passer ce super moment. Merci les filles. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Bienvenue en 2024, l'ami. Bon, là, ça fait 2-3 jours que je vous ai pas repris. Il faut savoir qu'il se passe pas grand chose non plus, puisque en fait, les fêtes de fin d'année à Maurice, c'est beaucoup de jours fériés. D'ailleurs, il y a énormément de monde à la plage publique qui est juste à côté de chez nous, puisque en fait, leur tradition, ils se rejoignent en famille pour célébrer tous ces moments conviviaux. Et alors, la story time d'hier. Premier jour de l'année, en train de dormir et là j'entends sonner, je me dis mais qui sonne à 10h un 1er janvier? Et là je vois ma petite sœur qui me dit « Tanjaï a appelé, vite, il y a les dauphins à trou aux biches, si tu veux les voir faut être prête dans 20 minutes. » Donc là tu réfléchis pas, hop t'enfiles ton maillot de bain, vite. C'était mais un rêve éveillé, c'était incroyable comme expérience. Franchement, je pensais jamais vivre ça dans ma vie. Alors ils vont super vite donc faut être hyper vif quand tu plonges dans l'eau et que tu commences à nager.
vers eux. J'étais toute seule avec eux pendant genre 5 bonnes minutes et ils étaient en dessous de moi. Et ils avançaient tout doucement, donc j'ai pu les filmer. Franchement, c'était mais juste incroyable. Je suis hyper reconnaissante d'avoir pu vivre ce moment. C'est la première fois que je nage avec des dauphins. Donc en vrai, trop contente et reconnaissante de cette expérience. Je voulais profiter de ce petit moment pluvieux pour faire une petite minute culturelle et studieuse sur l'île Maurice pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a autant de diversité culturelle dans ce pays qui est quand même assez jeune. Il faut savoir que l'île Maurice, en fait, il n'y avait pas de peuple natif originaire de l'île. Que les premières traces d'humains sur l'île sont les navigateurs portugais qui ont fait apparaître l'île Maurice sur leur carte au XVIe siècle pour la première fois. Ensuite, les Hollandais sont arrivés au XVIIe siècle. Ils ont renommé l'île Mauritius, du coup, en hommage à leur prince Maurice van Nassau. Ils ont aussi introduit la canne à sucre et ils ont aussi détruit la biodiversité sur place et notamment le dodo qui a complètement disparu de la circulation après les Hollandais. Après l'occupation hollandaise, on a l'occupation française. L'île est renommée l'île de France au XVIIIe siècle. Les Français ont vraiment fait une mission de peuplement et de christianisation de l'île. On commence à avoir beaucoup plus de population sur l'île Maurice. Et à la fin du XVIIIe siècle, il y a environ 60 000 habitants, dont la grosse majorité, genre 50 000 habitants, sont des esclaves. Aussi qu'à ce moment-là, les Français et les Anglais s'affrontent dans plusieurs parties du monde et que les possessions françaises s'affaiblissent, que les pouvoirs, etc., commencent à diminuer. Beaucoup de sujets d'émancipation, etc., durant Napoléon, qui font que les Anglais vont ensuite occuper l'île à partir de 1814. Je vous la fais très courte pour vous donner les éléments clés principaux. Je vous mettrai le lien vers un documentaire de 10 minutes qui est pas mal intéressant sur tout ce que je suis en train de vous raconter. Va s'en suivre du coup au 19e et 20e siècle une énorme période de construction politique, de jeux de pouvoir, de tensions entre les ethnies et inter-ethnies également. Beaucoup de sujets politiques pour par exemple trouver un système électoral qui va fonctionner. On va passer d'un des pays les plus pauvres d'Afrique à un des pays les plus riches du continent africain. Pour résumer, l'île Maurice a quand même une histoire très riche, assez colonialiste, beaucoup en fait d'esclavage, ce qui fait aussi qu'on a beaucoup d'ethnies différentes, de diversité voilà, linguistique, culturelle, etc. J'espère que cette petite minute culturelle vous aura appris certaines choses sur l'île Maurice. Et puis je vous retrouve plus tard pour la suite des aventures. Laure, on est en train d'attendre tout le monde. Tu peux nous expliquer pourquoi? Quel est le point santé de la villa là après 8 jours de vacances? Alors, J plus 48, nous sommes tous foutus. Il y a. Les journées sont comme ça, un jour ça va, un jour ça va pas. Et donc, là, aujourd'hui ça va pas. Alors que nous sommes censés aller dans le centre, à Port-Louis, faire une petite promenade, machin, sauf que là il est 11h, on n'est toujours pas parti. Et il y a deux blessés qui ont dû faire une pause technique. J'ai décidé ce soir médecin. Médecin, coûte que coûte, si on reste 4 heures là-bas, on s'en bat les couilles, on prend le Uno, le Sky Joe, le machin. De l'esclavage qui est gratuit. Franchement, c'est hyper intéressant. On sent qu'ils ont voulu faire de ce musée un espace sécurisé de liberté de parole, aussi de retraçage d'identité en fait des populations mauriciennes qui sont pour la plupart descendants de toutes ces ethnies qui sont en fait arrivées à Maurice par l'esclavagisme qui a eu lieu pendant les périodes de colonisation hollandaise, française et britannique. C'est assez émouvant parce que c'est une période hyper compliquée, un peu tabou, parfois oubliée. Il y a beaucoup de stigmatisation et de clichés sur ces populations et je trouve ça important. En fait, on ressent beaucoup de bienveillance dans ce musée et je trouve ça important de libérer la parole sur ces sujets pour avoir un devoir de mémoire. Donc très très intéressant, je conseille. Qu'est-ce que tu as appris? Eh bien que la fin de l'esclavage à Maurice, elle n'est pas si vieille que ça, c'était finalement il n'y a pas si longtemps. Et que du coup, ça fait beaucoup réfléchir. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, dans certains pays, ou même ici à Maurice, il y a encore un peu cette arrière-pensée d'esclavage. Et donc c'est très très bien qu'ils aient fait ce musée pour prendre conscience de la réalité et de la liberté des hommes et des femmes. Et le truc qui m'a le plus choqué, c'était le truc qu'ils faisaient quand les esclaves ils s'échappaient. Là. C'est quoi qu'ils faisaient? Alors première fois, ils coupaient les oreilles. Après, ils coupaient le jarret,
et après les tuer. Il y a très peu d'images, mais juste les textes suffisent en fait à nous placer dans le contexte qui est pas si vieux que ça. C'est important qu'on en prenne conscience. Nous, Français, nos ancêtres ont participé aussi à ça. Donc, surtout qu'on ne reproduise pas ce qui s'est passé. Là, on a le starter pack TBF. Seuls les intimes savent ce que ça veut dire. Yes, let's go! La santé revient en 2024! Hello la Mif, je vous retrouve pour la dernière activité que je vais vous partager à Maurice. Ne soyez pas dégoûtés, vous en avez vu déjà plein. Le plan initial c'était de vous proposer du contenu un peu extrême. À la base on avait prévu de faire Peterbos. Du coup Peterbos c'est une montagne sur laquelle est posé littéralement un rocher. Je dois escalader en rappel à la fin. Le temps est hyper instable depuis une semaine. Nous on est dans le nord, on a eu grave de la chance avec un peu un microclimat, donc on n'a pas été touché, mais il pleut de fou. Donc les filles de Local Adventure, elles nous ont dit c'est pas la peine d'y penser, c'est pas possible, le terrain est pas praticable. Là on a essayé de chercher notre rando à faire. On se trouve actuellement dans le parc national des Gorges de Rivière Noire. C'est un grand parc national qui représente 2% de la superficie de l'île. Il est gratuit, donc accessible à tout le monde. Il y a 60 km de sentiers, donc de quoi faire de belles randos. Et là, on va faire la loupe Macabée que j'ai actuellement avec moi sur ma montre. Alors les gars, il fait 23 degrés, c'est royal. On va pas crever de chaud. Il y a une petite pluie fine qui nous rafraîchit. Vous êtes motivés? Yes! Let's go! Let's go! Filmer le retour après la cascade parce que comment dire, c'était compliqué, course poursuite contre les moustiques. Alors déjà niveau ressenti, trop bien, on était seul au monde, on a dû croiser genre 5 trailers et peut-être 2-3 randonneurs. Les décors magnifiques, franchement la cascade hyper impressionnante avec la vue sur le parc national, c'était incroyable. En termes d'accessibilité, c'est vraiment top. Je mettrai quand même le lien où j'avais trouvé la trace de la rando pour l'avoir sur la montre, mais en vrai il n'y en a pas besoin. Vous suivez les panneaux, vous ne devez pas vous perdre. Quelques difficultés pour descendre à la cascade et remonter. C'est un peu escarpé, surtout que là, ça fait 2-3 jours qu'il pleut, donc il fallait se tenir un peu aux branches, donc il faut avoir de bonnes chaussures. Et par contre, alors quand tu remontes de la cascade, c'est humide, il y a des moustiques. À un moment, j'ai regardé mes jambes, je me suis arrêtée, il y en avait genre 10 sur moi. Franchement, après, c'est au mental, tu te dis, faut que je sorte d'ici le plus vite possible. C'est la première fois qu'on fait une rando ici, et en vrai, il y en a plein, il y a plein de sentiers. Il y a même aussi la rando du piton de la petite rivière Noire, qui est le point le plus haut de l'île Maurice, à 829 mètres. Donc peut-être pour une autre fois. Mais maintenant qu'on est arrivé, je vais vous donner un peu les stats de la montre. Alors on est sur 8,42 km, 2h22 d'effort, sachant qu'on est parti vers 8h40. Là il est presque 11h30. Demandez au reste de la team ce qu'ils en ont pensé. Laure ? Bonne balade. Très belle vue, pas trop chaud, mais beaucoup de moustiques. Super ouais, beau. Hyper sympa, hein. Bon timing, pas trop chaud, ouais. Très belle vue. Franchement les vues, waouh, le parc. Incroyable, on reviendra. Ouais, on reviendra. Et Huguette, le mot de la fin ? Pas si dur. Pas si dur. Trop de moustiques. C'était ça la difficulté de la rando. C'était les moustiques la difficulté. Et je vous retrouve tout de suite pour le bilan et le budget de toutes les activités de l'île Maurice. La magie du montage fait qu'on se retrouve directement pour le budget des vacances, enfin seulement des activités que je vous ai montrées. Alors du coup, au niveau du tarif, je vais vous faire un peu une fourchette, une moyenne, parce qu'il faut savoir ici que évidemment tout se négocie. Et nous, comme ça fait énormément d'années qu'on vient, on a beaucoup de prix d'amis. Donc j'essaie de vous faire une fourchette pour que vous puissiez vous rendre compte. La journée bateau à l'île aux Cerfs, il demande 2 500 par personne et on a payé en tout 18 000, sachant qu'on était 10.
Donc ça fait un budget de 37 euros pour la journée. La rando des Trois Mamelles, c'est environ 50 euros par personne. Du coup, il y a le guide et les petits snacks compris. La matinée culinaire au domaine des Aubineaux, c'était 1009 par personne. Du coup, pour le petit-déj, le cours de cuisine avec le chef Milap et le déjeuner, 39 euros à peu près par personne. La visite de Port-Louis et le musée, c'était gratuit. La rando aux Gorges Rivière Noire, c'était gratuit. Il y a aussi des activités que je vous ai pas montrées. Le tour de Bouée, c'est 300 roupies par personne, environ 6 euros. On a fait deux tours de ski nautique, donc là pareil, ça varie du jour. On a fait deux fois du ski, donc c'est environ 40 euros par personne. Il y a eu aussi la journée au spa, enfin la journée au spa. On a fait une heure de massage et t'as accès au hammam, sauna, piscine, etc. 40 euros par personne. Voici l'île Aubernache, une demi-journée avec notre ami Sanjay. Donc normalement il demande 12 000 pour la demi-journée, donc ça fait à peu près 25 euros. Et alors pour les dauphins, si vous voulez partir du coup du nord, il faut compter 24 000 roupies. Ça fait à peu près 500 euros pour aller à Tamarin. Donc après vous divisez en fonction du nombre de personnes que vous êtes. C'est un gros budget, sachant qu'il y a 2 heures de bateau en fait du nord de l'île. Et nous en fait on a eu de la chance, le jour où on les a vus, ils étaient juste à côté de chez nous à Trou-aux-Biches. Et en gros si vous voulez les voir et qu'ils sont là, c'est à peu près 50 euros par personne. Ce qui nous fait, en additionnant toutes ces activités, une fourchette budget entre 250 et 300 euros. Et encore une fois, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Et les randos, il y en a qui doivent être faites avec un guide, d'autres non, ça va dépendre. Aussi de si vous avez envie de faire des activités tous les jours ou si vous avez aussi envie de chiller. Il y a des jours où nous on n'a rien fait à part les crevettes sur la plage. Si vous voulez voir le budget complet de l'île Maurice, combien ça coûte pour y aller, combien ça coûte de louer une voiture, combien ça coûte de louer un logement, etc. Je vous invite à regarder ma vidéo de l'année dernière en dernière partie où je vous explique tout ça. Moi ce que je vous recommande de faire, c'est une journée bateau. Moi je préfère le nord, donc aller à l'île Aubernache ou l'île Plate, en fait faire du snorkeling, voir les poissons, les tortues si vous avez de la chance, et les dauphins et les baleines si vous êtes très chanceux. Ma mère elle est venue en octobre, elle a vu tout ça dans la même journée. Une rando pour voir le côté terre de l'île Maurice, et je vous invite, si vous avez envie de vous laisser porter, de réserver avec Local Adventure. Chaque année on fait avec eux et c'est toujours très cool de faire des randonnées avec Hello et Freddy. Et maintenant on va commencer le débrief avec les membres de la villa. Bah moi j'ai pensé quoi des vacances, bah c'était incroyable comme chaque année quoi, c'est vraiment trop bien, voilà. Et ensuite mon moment préféré, tout, mais en particulier l'atelier cuisine, ça c'était trop bien. Et voilà, donc voir les petits dauphins, on a nagé avec eux dans l'eau bleue, c'était incroyable. Le ski nautique, parce que elle va débriefer chaque année. Parce que je suis vraiment trop forte et j'ai réussi. Je vous mettrai un petit. Ouais, là Alexandra va mettre un extrait maintenant. J'ai fait des sauts en ski nautique, je suis une professionnelle, voilà. Non mais t'as aimé aussi quand je t'ai battue au Monopoly Deal. Venez à l'île Maurice. Chine. Et maintenant le couple goal de la villa. Bah encore une fois, à couper le souffle, des vacances inoubliables comme d'hab, on s'est régalé. On fait plein d'activités tous ensemble avec les parents et avec les minus. Que ce soit bah, parce que l'île Maurice c'est pas que les plages paradisiaques. Il y a beaucoup de choses à faire aussi dans les terres, dans le plateau central, et c'est incroyable. Et il fait en plus moins chaud que sur le littoral, donc beau plan. Très bien, j'aime tout, je suis bon public. Voilà. Bah là je vais pleurer dans bientôt. Toujours, on rentre demain et on reprend un billet dès demain soir. J'ai bien aimé la rando Trois Mamelles. C'est un truc qu'on n'avait jamais fait. Mais après, valeur sûre, les déjeuners sur la plage et les sorties en bateau. Yes. Là c'est trop top. Mais la mer a été extra. On a eu un temps de ouf. On a super bien mangé et dommage qu'il y ait eu ce petit désordre de début de vacances. Mais, De début et de fin. Hein. Le repas du réveillon de Noël n'est pas passé et ils se foutaient de ma gueule puisque j'étais la première personne à tomber le lendemain. Mais non, ce n'était pas l'alcool, c'était une intoxication alimentaire et une infection bactérienne suite à cela. Et chaque jour, un soldat tombait et ça a duré longtemps, très longtemps. Bah ça dure encore. Hein. Et oui, parce qu'il y en a qui sont encore sous antibiotiques, donc voilà. Faites attention à ce que vous mangez. Dans Patoche the Farmer, je mettrai sa chaîne en description. Les moments préférés un peu flippants, c'était quand même la croisade des Trois Mamelles. La croisade. On pourrait appeler ça une
une croisade. Non, mais se retrouver à flanc de falaise sur des cailloux avec le vide, bah, on a surpassé un petit peu notre peur et nos émotions, et pour un résultat quand même magnifique à 360. Là, j'ai bien aimé la petite balade au National Park. C'était très sympa, très simple, pas trop difficile, cool. Après, le reste, j'ai envie de dire, le moment préféré, c'est les dauphins avec Sanjay. Hein. Ouais. Enfin, ça, c'est la vie. Hein. Le Mauricien, il t'appelle à 10h30, il te dit « Vous venez à 11h, je vous emmène. » Tu passes, tu fais aller 5 minutes de bateau et tu nages avec les dauphins pendant une demi-heure. Là, t'es dans un autre monde. Et donc, le mot de la fin, surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il a fait, Queen?